Erskine est un groupe de rock instrumental influencé par le mouvement post-rock et expérimental. La formation composée de Francis Demers, Julien Dehens, Alexandre Barry-Lemire et David Allison nous vient de Montréal. Allons entendre ce premier groupe du deuxième quart de finale. Ça reflète, hein? Ah, pas grand-chose, sincèrement. On aime ça de même! Le style de la formation, c'est? Ça s'appelle du post-rock. C'est instrumental, dans le fond. Il n'y a pas de chanteur. Puis, dans le fond, c'est beaucoup ambiant. Puis, c'est des riffs accrocheurs. C'est ça. Puis, on essaie de créer des ambiances, dans le fond, dans nos chansons. On vient de migrer à Montréal, en fait. Fait qu'on est en train de travailler sur des nouvelles compositions, essayer d'enregistrer quelque chose un peu, là, en développement. Pourquoi on vient à Trois-Rivières participer au concours? On connaissait l'organisateur de l'événement depuis quelques années, fait qu'il nous a invités à venir faire un show à Trois-Rivières. Ben, on aime beaucoup Trois-Rivières aussi. On aime beaucoup le Gambrinus, un bar où on aime venir prendre une bière de temps en temps. Fait qu'on se disait, pourquoi pas venir jouer ici? L'apogée de leur rêve. Mettons qu'on se permet de rêver avec votre musique. Je sais pas pourquoi, depuis toujours, mon rêve, c'est toujours Metropolis, mais je pense que je peux continuer à rêver. J'aimerais bien ça être la house band d'un bar de danseuse. Pareil, c'est maintenant 20$ par chanson. C'est cher, mais c'est-tu 20$ qui revient à nous, ça? Ouais, mais d'après moi, lui, il va se rendre au Metropolis. Toi, tu vas rester peut-être au métro. Hein? Métro? OK, c'est bon. On fait des choix dans la vie, hein? C'est OK. TV, fier de faire rayonner notre communauté.